Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve sur FC24 pour démarrer une quatrième saison sur le jeu. Du coup, hein, je joue sur PS5, je rappelle. Après une troisième saison complètement folle, hein, bien meilleure que les deux premières, on a enchaîné, on a obtenu tous les titres que l'on pouvait avoir. Notre club a vraiment bien performé et on démarre par le Trophée des Champions classique. Et qui fait donc partie des fameux matchs de pré-saison sur la chaîne. Et face au Paris Saint-Germain, du coup, c'est un petit trophée qu'on joue à chaque fois, évidemment, avant d'entamer la saison. Là, il va y avoir une position de hors-jeu. Alors, du changement pour les joueurs cette saison. Pas vraiment, on va globalement je pense garder l'effectif. Si des changements ou si des joueurs, enfin si on doit apporter des joueurs, j'en apporterai, hein, évidemment, il n'y a absolument aucun souci là-dessus. Déjà, on va tout donner pour la pré-saison avant de démarrer officiellement. C'est pourquoi on se bat, hein, évidemment. Voilà. Eh oui, Donnarumma, on a vu. Il y avait beaucoup d'incertitudes autour de cette disparition. Finalement, ça sera bien à ton coup. Après, je veux la retour dans le. J'ai un petit peu tardé. Ça pour lui donner plus de temps de jeu et mettre toutes les suites de la pression. Oh. Ah, je me suis pris un but. J'ai laissé trop facilement déborder. Ouh là là. On va pas commencer aussi mal la nouvelle saison, ça ferait quand même assez mal. Cette fois, l'égalisation va venir assez vite. Eh, de buts un! Alors là, ça fait une petite frayeur, mais on s'est rattrapé. Le dégagement d'Alexander Arnold. Peut-être à toi jouer la bourbonnade. Peut-être à Ford. Oui, c'est là. La différence des prêts. Bonne question défense. Le ballon d'or. Et c'est pour l'instant la mi-temps. Avec 2 buts à 1, on mène pour l'instant au score. Mais on va confirmer ce résultat, on l'espère, en seconde période. Bien fait, là. Sans pause. Ah, c'est bien, la phase de raccord. Oui, on va essayer d'attendre. Allez, ça va faire 3. 3 buts à 1 pour l'Olympique Lyonnais dans cette seconde période. Merci.
Hop là, allez, 4 buts à 1. Cinq buts à un. La passe de lui chercher la profondeur, on la revoit sur les images, c'est vraiment un geste décisif. Et à la fin, on la partage, mais on se fait la relâche. Pour la partage, on termine. Bon, la situation et la position. C'est vraiment de la protection. Vraiment, ça ne donne rien. Alexander Arnold. Oui, et de suite, bonne récupération. Eh ben, dis donc. C'est fini. Faut largement perdu. Une seconde période calamiteuse. Malheureusement, ça passera pas. 7 buts à 1. Sacrée humiliation pour remporter ce trophée des champions. C'était largement en dessous de notre niveau. Et ça nous donne pas mal d'assurance pour la suite. Il doit y avoir. Il y a la Super Coupe de l'UEFA face à Manchester United. Ça pourrait mettre un plutôt beau match. Donc voilà, ce sera ça pour cette fois-ci. Merci beaucoup d'avoir suivi cette rencontre et on se retrouve prochainement pour la Super Coupe de l'UEFA, autre match de pré-saison avant la saison qui s'annonce. Merci beaucoup de m'avoir suivi. À très vite donc. Ciao.